Aujourd'hui, c'était notre traditionnelle édition du Club Entrepreneur qui se déroule chaque année au Polo Club. Alors, cette édition avait aussi un caractère un peu particulier puisque une de nos thématiques d'investissement, ce sont les activités stratégiques, notamment liées à la défense, à la sécurité, à la cybersécurité. Et donc, on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir des représentants du GIGN, donc le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, ainsi qu'un représentant du commandement des opérations spéciales, donc des unités d'élite s'il en est, qui utilisent des nouvelles technologies. Donc, ils ont procéder à des témoignages par rapport à leurs activités sur le terrain et aux besoins qu'ils ont. Et il s'avère que plusieurs de ces technologies sont en fin de compte réalisées par des PME françaises qui ont souvent une activité, comme on dit, duale, qui ont à la fois des activités civiles, mais aussi des activités liées à l'armée. Et il est vrai que ces unités d'élite, quand elles doivent utiliser un matériel, on s'en doute, il est testé, car s'il y a un dysfonctionnement sur le terrain, ça peut être très embêtant. Et donc c'est vrai que ces technologies qui sont testées par les forces spéciales, qui ont ensuite des applications civiles, sont un des axes d'investissement que nous avons. À titre d'illustration, vous avez une société qui fait des systèmes de communication sécurisés pour les unités spéciales sur le terrain, en opération. Aujourd'hui, ce système commence à être commercialisé auprès des entreprises pour notamment protéger les accès Wi-Fi. Le GIGN se réjouit de participer au séminaire Calaou. Les nouvelles technologies constituent une source d'enjeux et de défis majeurs pour les unités spéciales. À titre d'exemple, on est confronté à plusieurs contraintes. D'une part, dans le cadre de nos savoir-faire, de nos manières d'opérer, nous avons de plus en plus besoin des nouvelles technologies et de savoir faire face aux évolutions technologiques. Je pense typiquement au travail sous alarme et au contrôle des mobilités des différents moyens de déplacement aériens, terrestres. D'autre part, l'adversaire utilise de plus en plus de nouvelles technologies sur le territoire national, typiquement dans le cadre de la criminalité organisée, et on doit savoir faire face à ces différents défis. Enfin, les contraintes budgétaires et financières sont importantes lorsqu'on conduit des projets de recherche et développement. Je suis président du Cercle de l'Arbalète, qui est la fédération des équipementiers, des forces spéciales et des unités spéciales. Notre volonté aujourd'hui, avec Calaou, c'est de créer un fonds. L'objectif, c'est d'être capable d'investir vite dans des projets à forte valeur ajoutée et surtout des projets qui peuvent avoir une vocation duale, c'est-à-dire utilisés dans ces unités-là et également dans le civil. On les a assurés de deux choses. D'abord, la quantité de deal flow qu'on est capable de proposer, parce qu'on sait qu'on a un grand nombre de dossiers chaque année à présenter. Et la deuxième grande règle, c'est que nous avons, grâce aux forces spéciales et aux unités spéciales, des spécialistes qui sont capables de valider ces technologies. Notre rôle, c'est de travailler en collaboration avec les opérateurs des forces spéciales sur le domaine de l'innovation et d'aider ces personnes à être à la pointe de l'innovation. Lors de cette journée au Polo Club, nous avons donc réuni notre écosystème et nous avons fait un point global sur la gestion de nos différents véhicules d'investissement. Nous avons évoqué le remboursement des premiers fonds, la performance des fonds et la gestion de la partie libre. Et nous avons aussi évoqué les différentes participations des fonds en fonction des thématiques d'investissement. Cette matinée, c'est également l'occasion de présenter nos nouvelles solutions d'investissement en private equity, en capital investissement. Alors, notamment le dispositif Calaou Participation qui permet aux dirigeants d'entreprises qui cèdent leur PME d'optimiser leur plus-value dans le cadre du fameux 150-0 BTR, donc l'article du Code général des impôts. Nous présentons également des nouveaux fonds thématiques sur nos thématiques classiques, art de vivre, énergie avec le fret ferroviaire et évidemment dans le domaine de la sécurité et le FIP Corse Développement dédié aux PME Corse que nous développons depuis 4 ans maintenant. Lors de cette journée, nous avons eu 3 témoignages de participation. Diota, spécialisé dans la réalité virtuelle augmentée. MyCoach, spécialisé dans le sport numérique. Le groupe RMP, spécialisé dans l'agroalimentaire de luxe et la distribution alimentaire, avec un positionnement assez spécifique dans l'art de vivre. Nous avons également eu Philippe Millet, président du groupe Millet, leader dans le transport ferroviaire spécialisé. Ces wagons transportent du gaz, du pétrole, des céréales, des ballasts, beaucoup de matières sensibles. Lors de cette réunion, nous avions également d'autres participations présentes et l'ensemble de ces participations ainsi que le groupe Millet ont pu échanger sur la marche des affaires et l'évolution de nos différents véhicules d'investissement. On grossit pas mal, notamment sur 2019. Là, par exemple, la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'on a notre première grosse opération en live chez Auchan actuellement. Et du coup, dans ce cadre-là, Calaou m'a invité à participer à cette journée où ils ont réuni tous leurs senior advisors, mais aussi toute leur participation et on a eu différentes interventions.
hyper intéressant en termes de networking. Alors pour notre part, Chastanier, une entreprise de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah entre la rentrée de Calao, 10 millions d'euros et aujourd'hui 18, bon, c'est un point qui a montré son succès et ses développements. Donc Chastanier, nous on est sur la partie équipementier produit dans le monde du luxe et des produits high-tech. Donc on est dans la cible stratégique de Calao et Calao était aussi un relais important pour nous, pour notre réseau. Donc En fait, on a rencontré Calao en 2016 et puis assez rapidement, ils ont dit on y va, poignée de main, donne. Et depuis, on a construit une relation très équilibrée, structurée, où on a un véritable investisseur entrepreneur qui nous accompagne, qui challenge, qui nous apporte des idées, des réseaux, des contacts. Calao, ça a été la proximité, l'échange, ça a été surtout un fonds qui a entraîné les autres et qui a tout de suite fait office de leader, non pas sur la volonté de l'être, mais surtout sur l'implication dans le projet, avec un processus long, une véritable implication, une proximité avec nos équipes. On est aujourd'hui, 2 ans après, à l'international, avec Airbus, Safran, SNCF, Dassault Aviation, que des grands noms de l'industrie. Aujourd'hui, on travaille aussi sur une extension de notre gamme vers des machines de beaucoup plus forte charge, capables de soulever 35 kg, là où la première ne soulevait que 10, avec des cas d'utilisation beaucoup plus larges, puisque ça peut aller de la manutention, de la manipulation, le déploiement d'outils lourds, notamment dans le BTP. Très bonnes accroches aujourd'hui avec Vinci, notamment.